On est parti, let's go. Minnesota Timberwolves, ok. Let's go, vs Milwaukee. We welcome you in the downtown Minneapolis. All-Star break is over. It's back to high-level basketball. Welcome to the season reboot. It's back to high-level basketball. C'est vrai que All-Star Game, c'était pas super. Même les commentateurs le disent. Tonight, it's the Timberwolves taking on the Bucks. How about that? Ah ok, on est parti, let's go. Ça décale, Brook Lopez, ça sanctionne. Toujours capable d'étirer la défense. Ça fait plaisir. Très utile, hein, très précieux. Et puis surtout en défense, très grosse dissuasion. Hey, Gobert. Package, hein. Carl Anthony Towns, ça follow. Minnesota, c'est fort hein, cette saison. C'est fort. Ok, ça passe entre les deux. Edwards. Lillard, ça décale pour Lopez, ça étire, ça sanctionne, swipe, ça décale, ça kick, petit flotteur au-dessus de Brook Lopez, c'est fort. Anthony Edwards, pull up, ok. End off, ça redécale pour Brook Lopez, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud, le troisième, troisième tir. J'adore ce joueur. Ok. Covington. Azraid. Spin. C'est fort. Très très fort. J'adore ce joueur. Depuis l'université, j'aime beaucoup son style de jeu. Il est très très fort. Ça curl. Contre Lillard, ça a l'avantage. Ok. Brook Lopez, ça étire encore. Ah, il est chaud. Il est chaud. C'est combien? C'est le quatrième? Ok, post-up, Carl Anthony Towns. Pff, c'est efficace, c'est propre. Il n'est pas le star pour rien, n'est-ce pas? PD, ça décale. C'est qui Bobby Portis? Ok, ça follow. Ça, non, c'est Pat Beverley. Ah, Pat Beverley est à Milwaukee? Je savais pas ça. Carl Anthony Towns, là, en ce moment, c'est... Il est enragé, hein. Depuis le début de saison, même, de toute manière. Il n'a pas déjà accepté qu'Anthony Edwards ait les clés de l'équipe. Hein. Ça doit être ça. Nazrin. C'est propre. Ça décale à zéro. C'est tough. Giannis qui va faire du Giannis. Même en face de Gobert, ça passe. Ça décale. 3 points. Bobby Portis, ça kick. Flotteur, Gobert, toujours la dissuasion, toujours présent, très précieux. Carl Anthony Towns à 3 points, ça sanctionne. 40% à 3 points. Alexander, et hop là. Lillard, ça part à l'opposé du screen. Ça décale pour Portis. Flotteur d'ici? Ah, c'est propre, c'est propre. Carl Anthony Towns, ça vient toucher. Aléo pour Gobert. Ok, Lillard, ok. Ça part à l'opposé du screen. Petit flotteur. Okay. That's tough. Carl Anthony Towns, ça kick. Aléo pour Gobert. Pouf! Ça joue bien, hein. J'aime beaucoup. L'association, franchement, l'association Towns-Gobert, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne. Franchement. Et en plus de ça, je ne sais pas s'il est considéré comme sixième homme pour Nazraid, mais Nazraid, cette saison, c'est fort. C'est fort cette saison. Je crois qu'il fait vraiment une bonne saison pour le coup. Je pense que c'est sa meilleure saison en carrière. Donc même sur le banc, il y a de la profondeur. Oh, c'est accordé. J'ai pas l'impression que ça allait en direction du panier. Hein. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Je suis peut-être mauvaise langue, mais j'ai pas l'impression que ça allait en direction du panier. Regardez. J'ai pas l'impression, hein. Je sais pas. Ça allait peut-être un peu plus bas. Hein. Je sais pas. Lillard, ça prend le screen. Ok, rebond Giannis. La présence au rebond.
Anthony Edwards. Ah, c'est tough. C'est tough. Ouais, ça fait Twin Tower. Bah, les deux, ouais, c'est... C'est deux 7 foot plus dans la raquette, quoi. Ok, Giannis, contre-attaque. Ça prend le screen. C'est tough. Mike Conley. C'est tough. Conley, encore une fois, flotteur. Ah, il a encore de l'énergie. Hein. Damien Lillard. C'est propre. Giannis. À 0. Ça sanctionne. Ok, ça kick. Ok, Brook Lopez, la dissuasion. Giannis, il va jouer, il va prendre de vitesse. Ah, c'est fini, tu peux pas l'arrêter. Beaucoup trop agile, beaucoup trop grand, beaucoup trop long. Anthony Edwards, ça c'est magnifique ça. La manière dont il a ralenti son double pas pour analyser la situation. Lillard, ça part à l'opposé, il aime bien. Hein. Il aime bien partir à l'opposé du screen. Hein. Ok, ça coupe, magnifique ça. Ouf! Beasley. Ça part en contre-attaque. Towns. Ok. Beasley encore. Ça drive pour Giannis. Ça dunk. Facile. Anthony Edwards. Gobert précieux. Gobert, il est extrêmement précieux. Beasley à 0. Ah, ok, ça va. Quand il frappe pas sa femme, ça va, il joue mieux. Towns. Ah, c'est beau, ça. Giannis. On passe en dessous. Forcément, c'est Giannis. Il sanctionne à 3 points, c'est bien. Il doit sanctionner ça. Il doit mettre les lancers francs aussi. Lillard, sa feinte. Pff. Allez, hop. Bang. Facile. Lillard encore, il va lui faire la chanson. Ok, ça kick à 0. Covington. Ça rentre. Ça décale Nazraïd. Bonne passe, Alexander, c'est bon. Interception. C'est qui, c'est Beasley pour Giannis? Ok, facile. Petite main gauche. Là, il va prendre, il va accélérer. Ah non, il kick. Pour Lillard, ça re-kick sur Beasley. Allez, hop. Ça sanctionne. Hey! Giannis pour Portis, ça décale sur Beasley. Ça dance. Au screen, c'est propre. Pas de défense, là. Bobby Portis. Petite feinte. Ça m'appelle un bon vieux Carmelo, n'est-ce pas? Hey, encore! Ah, ok. J'aurais dit que Carmelo s'est réincarné en Bobby Portis, là. T'as Carmelo, il était injouable à New York avec ça. Injouable. Il prenait la balle à mi-distance. C'était feinte. Feinte, c'était... Il était injouable. Injouable. C'était un plaisir à voir jouer. C'était tellement beau. Franchement, il était... Carmelo, c'est un des joueurs aussi les plus beaux. Hein. Franchement, c'est à voir jouer, c'est incroyable. Oh, laborieux. Hein. Lillard, il va se faire. C'est fort, flotteur. And one. Lillard, il va se le jouer. Il va jouer Anderson. Ça prend mi-distance. C'est propre. Ok, il met dans le dos. Ça feinte. Il a le choix. Il choisit de faire la passe. C'est propre. Giannis en face, il s'arrête. La Towns, il n'hésite pas. Ça part direct. Towns, il n'hésite pas. Ça part direct. C'est un des meilleurs shooters. Un des meilleurs shooters de la ligue. Il n'hésite pas. Pour Gobert. Il n'y a pas faute, là? Bizarre. Ok, Lillard, ça décale pour Brook Lopez, il reprend. Bam! C'est quelque chose. Towns, wow! Edwards, première attention. Money time. Bonne faute sur Giannis. Ok, il met les deux. C'est une bonne faute.
Ok, Anthony Edwards, ça prend directement. Bang. Clutch. Giannis. Ok, easy layup. C'est bon. Ah, il shoot pas. Ok. Edwards encore. Fort. Lillard. Les gars, faut faire un truc là. Faut faire un truc. Ok, ça veut jouer la défense. Ok. Aïe, aïe, aïe. That's tough. Anthony Edwards qui se transforme en Michael Jordan. Ok. Anthony Edwards, c'est clutch. Hein. Anthony Edwards, c'est clutch. Il a fait tout son possible pour remonter. Mais bon, Milwaukee était un peu au-dessus là. Était un peu au-dessus. C'est quoi le score? 112-107. 112-107 pour Milwaukee. Victoire de Milwaukee. Les deux équipes, franchement, c'est quelque chose. Hein. Est-ce que vous pensez que Milwaukee, cette année, ça peut prendre le titre? Est-ce que vous pensez que ça a les armes pour prendre le titre? Je sais pas trop. Vous en pensez quoi? Ah, Spurs Lakers? En fait, je l'ai regardé de mon côté. C'était ça le problème, en fait. C'est que j'avais déjà vu le match de mon côté. C'est pour ça qu'on n'avait pas pu le voir. Ok? Donc, j'ai pas pu. Voilà, j'ai pas envie de revoir en live. En live, on découvre. On ne revoit pas. Tu comprends? Ils doivent resserrer la défense. Non, vous pensez pas? Moi aussi. Je les vois vraiment pas favoris, personnellement. Damien Lillard, c'est un bon ajout, mais je les vois pas favoris pour l'instant. Pour moi, tout dépendra. Déjà, où est Chris Middleton? Déjà, pour commencer, tout dépend de ça, pour moi. Où est Chris Middleton? C'est la première question que j'aimerais... J'aimerais vraiment savoir où est Chris Middleton, quoi. C'est le premier truc que j'aimerais savoir, déjà, pour commencer. Il est où? Il est blessé, j'imagine, mais il est où? Parce que, t'imagines, Damien Lillard, t'as un Giannis, t'as un Chris Middleton, t'as un Brook Lopez. C'est tough. C'est tough. Sur le papier, c'est incroyable. Au niveau du star power, je sais pas. Mais je me demande où est Chris Middleton, quoi, parce que ça aurait été vraiment... Ouais, il est blessé, ok, jusqu'à la fin de saison. At least, two more games. C'était le 22 février. Ok, donc il va bientôt revenir. Ok, encore deux matchs. Donc là, c'était le match en question. Encore un autre et il va potentiellement revenir. Ouais, je parle pour le titre, hein, bien sûr. Pour le titre. Est-ce que ça peut concourir au niveau du titre? Au niveau du coaching, les Bucks, c'est le néant. Ok, je vois. Bon, on verra dans tous les cas, écoutez.